Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ma chambre pour un petit room tour. Alors, dès maintenant, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, c'est parti. Alors, quand on rentre dans ma chambre, voici la vue que nous avons directement. J'ai donc investi dans un grand lit de 160 sur je ne sais plus combien, mais en tout cas, il a 160 de largeur de chez Ikea. C'est un des fameux lits où il y a les tiroirs à l'intérieur qui sont très très pratiques pour ranger plein de bazar. Le couvre-lit que vous voyez ici qui est blanc un petit peu avec des petits effets ici vient de chez Ikea aussi. Et la tête de lit aussi tout au fond vient de chez Ikea. On va se rapprocher doucement. Sur mon lit en décoration, j'ai mis ce petit plaid en fait qui vient de chez Jiffy que j'ai acheté je ne sais plus dans quel hall avec l'oreiller ici. C'était un lot pas cher du tout, donc je vous renvoie vers mes vidéos hall Jiffy. Les coussins en cœur ici viennent de chez Primark, tout comme les deux coussins roses un petit peu, vous allez voir, avec des lignes dorées, sublimes, que j'avais envie de mettre ici parce que je les trouvais vraiment magnifiques. Je trouve que ça, voilà, ça habille la pièce, c'est vraiment la petite touche déco qui vient aussi de chez Primark. Donc la tête de lit, comme je vous disais, elle vient de chez Ikea. Sur les côtés, vous avez des grands rangements. Elle est très très grosse, elle est quand même assez imposante, mais bon, je la trouve très très jolie. Et pour mettre de la déco au-dessus, c'est parfait. Les petites lumières comme ça viennent de chez Jiffy encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Jiffy et Ikea hein, dans cette chambre. Tout comme le sublime cadre miroir en forme de, comment dire, de soleil vient de chez Jiffy. L'ananas aussi, les petits cactus comme ça aussi, tout comme la petite affiche... Enfin, le petit panneau en bois avec écrit rêve qui vient aussi de chez Jiffy. Les petites lumières ici doivent venir de chez Action, je pense. Ça, j'aime bien les allumer la nuit, le soir. Voilà, quand on va se coucher, on met ces petites lumières d'ambiance. C'est très sympa. Donc voilà pour l'ambiance à peu près du lit. Ici, vous avez une boîte où il y a quelques produits Lush. C'est les boîtes vides de chez Lush. Et quelques petits bijoux à moi. Et dans tout ce qui est placard, vous avez... tout plein de bazar. Donc là-bas, c'est le placard de mon mari avec ses petits trucs à lui. Ici, ce sont... je vous montrerai rapidement. Voilà, vous voyez, c'est des placards qui sont assez profonds. Ce sont les boîtes. Alors, il y a des affiches et ce sont surtout les boîtes souvenirs de mes enfants avec leurs petits trucs de leur naissance, etc. Les choses qu'ils ont fait chez la nounou. Donc, je garde ça précieusement ici. De l'autre côté du lit, vous avez encore une fois deux gros tiroirs ici avec tout mon bazar, dont dans le premier gros tiroir ici, ce sont tous mes parfums. Et là-bas, je ne sais plus exactement, il doit y avoir des médicaments, des boîtes, voilà. Au fond, ici, vous avez une armoire à bijoux qui vient de chez Casa. Je vais essayer de m'approcher. Hop là. Donc cette grande armoire à bijoux vient de chez Casa. Comme je suis enceinte... j'utilise en ce moment pour dormir un coussin d'allaitement comme ça, je ne sais plus d'où il vient, on me l'avait donné je crois. Et le petit sac à main là vient du site New Chic ou je crois que c'est New Chic, mais je ne suis plus sûre exactement, j'essaierai de vous retrouver ma vidéo. Mais en tout cas je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Dans mon armoire à bijoux, bah, vous avez plein de bijoux hein. Pas mal de petits bijoux, des range-bags, des colliers, des choses comme ça. J'ai essayé de trier, mais il y a plein de choses que j'arrive pas encore à trier. Pourtant, vous savez que je mets pas beaucoup de bijoux, mais c'était avant. Avant, j'en mettais énormément, avant d'avoir des enfants. Alors, dans mon côté de la tête de lit, vous avez plus de bazar que mon mari, hein, parce que moi, j'ai plus de bazar. J'ai quelques livres, des mouchoirs, mes crèmes pour les mains pour le soir, mon petit baume à lèvres qui vient de Corse là pour les mains, pour les lèvres que j'adore. Hein. Merci encore Sandra si tu passes par ici. Voilà, j'utilise tous les soirs. Ma petite crème du moment pour les mains, je vous en avais parlé, c'est celle de chez Mercy Andy, la licorne. Puis en dessous, vous avez mon réveil, mes médicaments qui sont là, mon iPad, mon casque, voilà. Tout mon petit bazar. Au niveau des rideaux, j'ai tout simplement mis... une double tringle de chez Ikea avec un rideau voile un peu blanc, des petites pinces ici pour éviter que le rideau touche trop le radiateur, moi j'aime pas trop ça, et deux rideaux qui viennent aussi de chez Ikea. Alors le rideau voile ici vient de chez Jiffy et celui-là vient de chez Ikea, voilà, pour si on veut être un peu plus discret, de pas voir l'extérieur. Et puis ma foi, ça fait très sympa dans l'ambiance, je trouve, de la chambre. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous, comme ça vous vous rendez compte. Et là, bah, pendant que j'y suis, cette petite... cet abat-jour est sublime. Hein. Oui, c'est un abat-jour qu'on appelle ça. Il vient de chez
Castorama, il est vraiment très 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 beau, il va très bien dans notre chambre. Moi, je voulais vraiment cette ambiance entre bois, blanc, cet effet un peu cocooning, mais cosy. Donc, je trouve qu'il va très très bien ici. Et pour finir, la touche, c'est ma petite coiffeuse que vous voyez ici. Et deux petites décorations. Donc là, il y a un cadre qui vient de l'incroyable avec une feuille à l'intérieur de chez Action, je crois, si je me trompe pas. Et un attrape-rêve qui vient de chez Maison du Monde que mon amie Jenna m'avait offert à un de mes anniversaires. Et la coiffeuse vient de chez Ikea avec tout mon bazar. Les petits rangements à coiffeuse ici viennent de... Alors là, je ne pourrais plus vous dire, je crois que la foire fouille, des choses comme ça. Mais il y a très très longtemps que je les ai. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer de plus près. Et ici, de l'autre côté, vous avez une énorme, 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 énorme armoire qui fait vraiment tout mon mur de chambre. Je sais pas, vous avez... il y a quatre portes. Et bah voilà, il y a tous les vêtements de mon mari de ce côté-là, les miens au milieu, et ici un petit peu de make-up, vous allez voir. Voilà, quand j'ouvre une des portes de l'armoire, ici de ce côté-là, comme je vous dis, il y a un peu mon maquillage, mes rangements, mes sous-vêtements, tout ça, tout ça. Et puis après, de l'autre côté, et donc de mon côté, hein, je vous montre que mon côté, mais c'est ma penderie, des petites choses en haut, voilà, vous avez plein de petites babioles en haut, ma penderie. Ici, il faut vraiment, si d'ailleurs ça vous dit ce genre de vidéo, il faudrait que je fasse une vidéo rangement de mon dressing, parce qu'il y a trop de choses qu'il faut que je range, il faut que je trouve une solution, parce que ça, c'est vraiment pas pratique. J'arrive pas à trouver mes fringues, ceux qui sont au fond, voilà, je les vois pas. Donc faut que je trouve des solutions, mais en tout cas, voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais j'espère que ça changera prochainement. Alors, sur ma coiffeuse Ikea, vous avez, comme toujours, je vous avais déjà fait une vidéo rangement de ma coiffeuse, etc. Je vous les mettrai en barre d'infos, ça vous dit, mais j'ai toujours ces deux gros pots avec tout ce qui est pinceau, pinceau pour les yeux, pinceau pour le teint. Ici, ce beau nœud papillon, hein, enfin, nœud pour les cheveux, il vient de chez Primark. Les petites bougies qu'on m'avait offertes, donc Maison du Monde, ça vient de chez Yves Rocher. Ici, voilà, j'ai mis des petits bracelets, une bougie Yves Rocher. C'est un petit souvenir de ma collègue qui m'a offert il n'y a pas très longtemps. Ça vient de Victoria's Secret aux États-Unis quand je suis allée à New York. Petite boîte Maison du Monde dont je ne sais pas encore quoi en faire parce que avant j'avais rangé du make-up dedans, mais comme j'ai trié pas mal de choses. Pour l'instant, elle reste là, mais je vais y trouver une autre place. Ma petite palette Tarte dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Voilà, des petits pots hein, comme ça, avec des bijoux. Le petit pot ici or que vous voyez, c'était une ancienne bougie Marie Jolie Candle que j'ai nettoyée et j'ai utilisée pour mettre tout ce qui est crayon pour les yeux or. Là, ce sont des petits produits make-up Révolution dont je voudrais les tester en vidéo avec vous. Donc, je les laisse là pour les tester en vidéo et après, je les rangerai là où il faut. Les petits bijoux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps de la marque Woo We Are. Un petit jonc comme ça, une superbe bague. Donc, je les ai posés là parce que je vais les ranger dans mes petits rangements bijoux. Mais c'est surtout que voilà, je les ai reçus hier. Donc, je ne les ai pas encore rangés. Hop, je vous remontre la bague pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Et je crois que j'avais un code promo pour vous, si ça vous dit, pour cette marque de bijoux Made in France, qui sont vraiment trop, trop, trop beaux. Bon, ça, c'était la parenthèse. Voilà. Parce qu'il y a quelques bijoux que je range ici, justement. Voilà, là, vous avez tout ce qui est jonc, ma montre Daniel Wellington, tout ce qui est bague, voilà. Je range un petit peu mes bijoux ici, mes joncs, vous voyez que j'aime les joncs. Hein. Donc, je vais pouvoir les ranger aussi ici. Ici, vous avez tout ce qui est pigment, d'ailleurs, dans le tiroir. Et ici, quelques blushs que j'aime particulièrement. Sur ma table de coiffeuse, vous avez ça qu'il faut que je range dans la boîte. C'était des trucs de notre mariage avec mon mari, donc c'était il y a 10 ans. Je voudrais les ranger dans une boîte souvenir, donc je les ai mis là pour les ranger après. En dessous, j'ai mis toutes mes palettes Too Faced. C'est pas mal de choses, je vais vous montrer. Ouais, là, j'ai mis les palettes Too Faced en haut, là. Avant, il y avait des rouges à lèvres et tout, mais j'ai tout modifié. Palette Too Faced, palette Elsa Makeup. Ici, quelques rouges à lèvres NYX et des baumes à lèvres derrière. Ça, c'est ma petite trousse avec tout ce qui est soin pour les ongles. Dans les tiroirs ici, du Too Faced. Toutes mes palettes de collection, entre guillemets, Too Faced. Là, il y a des Fix Plus, des fixateurs pour le maquillage. Et vous savez, des genre blender pour les fonds de teint en réserve. Toujours du Too Faced ici. Toutes les collections un peu voilà, de Noël. Ici, j'ai mis tout ce qui était vernis. Alors, est-ce que je vais réussir à le tirer? Toute ma collection de vernis que j'ai réduit de la haute Dior et vraiment tous mes vernis favoris. Donc, il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, j'en avais 500 000, mais j'en ai beaucoup vendu, beaucoup donné. Et pour finir, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est par marque, en fait. Petite trousse ou petite boîte avec les marques. Là, c'est Bare Minerals. Là, je crois que c'est l'atelier du sourcil. Vous avez du Clinique. Il y avait du Clarins. Là, c'est Clarins, voilà.
ici du Merci Andy. Enfin voilà, toutes mes petits trucs du moment, voilà, qui restent dans des petites trousses comme ça. Voilà, j'ai mis ça ici. Pour finir ici, bah, vous voyez, un petit sac à main avec une petite corbeille où j'avais mis des petites chaussures et tout un peu africaines. Et ici, je pose pour l'instant mon petit sac à main que ma copine Cindy m'avait offert à mon anniversaire. Comme ça, quand je veux l'utiliser, bah, j'ai juste à le prendre. Et ici, vous avez une énorme palette de chez Sephora avec tous les colorful de la marque Sephora. Donc, j'avais reçu ça lors d'une soirée Sephora, une soirée spéciale blogueuse. Et honnêtement, voilà. J'ose même pas ça fait tellement professionnel que j'ose pas trop l'utiliser, mais voilà, je l'ai quand même là. Et si un jour je veux me lancer dans un big make-up, elle est là. D'ailleurs, si un jour vous voulez un maquillage avec cette palette-là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas précisé, mais dans les petits tiroirs ici, vous avez des petites babioles, des petits pinceaux, des choses comme ça. Et ici, je crois que c'est des petites lingettes nettoyantes et tout ça, démaquillantes. Et pour finir, le tapis qui est juste ici vient de chez Jiffy. À l'extérieur de ma chambre, donc vous voyez ici ma chambre ici, dans mon petit couloir, tout près de ma salle de bain, vous avez une petite étagère qui vient de chez Primark avec les petits cactus de Ikea. Et le fameux meuble comme ça que toutes les youtubeuses ont de chez Ikea. Et il y a tout mon maquillage à l'intérieur, vraiment tout. C'est vrai que c'est ultra pratique. Vous voyez, on peut vraiment ranger un max de choses. Donc ça, si vous voulez voir le détail de cette commode, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, tout ce qui est rouge à lèvres, palette, tout est ici. Ça, c'est ma casse to face, quoi. Là, c'est mes palettes sleek, les palettes de grandes marques, tout ce qui est pour le teint, blush, highlighter, poudre pour le teint, fond de teint, et pour finir, tout ce qui est pour les cheveux. Voilà, j'espère que ce petit room tour vous aura plu, que l'ambiance de ma chambre vous aura plu aussi. J'espère ne pas avoir été trop essoufflée parce que dès que je parle un peu beaucoup, étant donné que je suis enceinte, je m'essouffle vite. Donc pardonnez-moi si c'est le cas. Et je vous invite à me retrouver en commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des idées pour moi de tel ou tel rangement, si vous voulez voir une vidéo rangement de mon dressing ou pas, ou un détail précis de ma commode Ikea avec tous mes blushs et mes machins et mes trucs, si vous voulez voir de plus près. Je vous remets les vidéos dont je vous ai parlé en barre d'infos et je vous fais de gros bisous. Salut!